Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, pas de surprise dans les events, hein. C'est toujours aussi calme, à part faire la crise de Séroli. J'espère que vous l'avez tous fini, faites-la et allez chercher les matériaux et les clés en or après avoir fini de prendre tous les coffres de matériaux comme je vous l'ai conseillé, hein. On a bien évidemment la Ligue Osiris et les paris que je vous ai conseillés. Je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo pour les pronos. Allez parier, j'espère qu'on va se blinder. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais renforcer mes positions. Alors j'hésite pour le moment, j'ai 318 en stock. J'hésite vraiment à continuer et remiser sur les pétoles qui pour moi ont une vraie chance de gagner, mais les 0,096 sont aussi puissants. J'hésite soit à renforcer les pétoles, soit à renforcer le deuxième match, les roses. Pour moi, les roses ont une vraie possibilité de gagner. Allez, on va renforcer quoi? On va tout miser sur les roses. On max les roses. Ils sont très bons, même si les BBTH sont vraiment très très bons également. J'espère que ça va le faire et que c'est les roses qui vont gagner. Au moins, on a renforcé ce pari. Si vous voulez me suivre et que vous êtes un ouf, je vous le rappelle, hein, on prend des gros risques, mais il y a des gros gains à la clé. Et les deux premières saisons, on s'est mis bien, on a eu des grosses pertes, mais au final, on s'est blindé et on a vidé le store pour ceux qui ont suivi mes paris. Sinon, comme je vous le disais, hein, c'est le calme plat avant ce patch 1.039. Et encore une fois, hein, je suis vraiment surpris, on n'a toujours pas reçu de nouveaux mails sur le patch. On n'en a reçu qu'un, alors que d'habitude, Kevin, le stagiaire de 3e, nous arrose de mails tous les jours pour nous parler du patch, nous redire les mêmes choses en français, en anglais, dans plein de langues. Là, vraiment, on n'a eu qu'un seul mail, c'est étonnant. Pour moi, ce n'est pas bon signe, je me trompe peut-être. On va voir, peut-être qu'on va commencer à avoir des mails à partir de ce week-end. Mais en tout cas, on n'a pas de mail. Ça sent quand même la match qui va être repoussée, sachant que rajouter un nouveau KVK, un nouveau système, ce n'est pas rien. Et sur des trucs simples comme la correction du chat, rappelez-vous, on a eu des patchs de patchs de patchs de patchs pour les plus anciens d'entre vous. Donc imaginez, pour rajouter un nouveau KVK lorsqu'ils ont mis Light and Darkness aussi, on avait eu du retard. Donc je me dis que là, ça sent pas très bon. On va bien voir pour tout ça. Pour finir sur les vidéos de la semaine et la vidéo d'hier sur le 10.93, alors des personnes du 10.93 m'ont dit qu'ils étaient toujours en stagnation volontaire et que dès ce week-end, après une grosse migration qui doit arriver, ils vont repasser Imperium. Je leur souhaite en tout cas que ce ne soit pas lié à la rumeur qui dit que beaucoup de gros joueurs sont partis. On va bien voir et s'ils repassent Imperium durant le week-end ou dès lundi, on en reparlera. En parlant de statut Imperium, on ira voir ce combat de ouf de YouTubeurs sur un KVK après dans la seconde partie de cette vidéo. Mais avant cela, on va profiter de l'absence d'événements intéressants pour parler d'un document. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une mise à jour de ce document. Donc j'ai été vous chercher ce document mise à jour. C'est encore une fois des merveilleux, des pépites hein, faits par notre ami Abus Panda. Vraiment, il fait vraiment que des docs de ouf. Hein. Vous le savez, je vous présente très souvent ces documents. On va en reparler pendant cette période d'inter-KVK. C'est le moment, comme à chaque fois, de mettre à jour ces documents et voir. Donc il a mis à jour, lui, son document sur les meilleurs binômes de commandants légendaires. Et dans cette match, ce qui est vraiment bien dans ce nouveau document qu'il a sorti, c'est qu'il met même les binômes légendaires épiques, ce qui n'était pas le cas à ma connaissance avant dans les précédents documents que je vous avais proposés. Et là, il est vraiment énorme celui-là. Donc vous le voyez, il est classé de façon assez standard, hein. On a d'abord le field battle, les rallyes. Enfin, donc le field battle, c'est l'open field, c'est pour se battre sur le terrain de manière standard. On a les rallye attaques, donc tout est dans le nom. Les garnisons en KVK et donc les défenses de bâtiments en KVK et les défenses de bâtiments en arc. Il y a des différences, bien évidemment, c'est pour ça qu'elles sont faites. On regarde Minamoto, c'est assez classique, je vous l'ai déjà dit sur celui-là. Minamoto, KO, en priorité, bien évidemment, le binôme Mina KO, c'était le binôme du début du jeu. Mais il fonctionne toujours, hein, si vous avez pas mieux. Évidemment, vaut mieux aller sur d'autres commandants, comme on le verra après, en cavalerie. Mina Pelage ou Mina Bébard. Donc, c'est des binômes qui marchent. Si jamais vous n'avez pas ni Mina ni KO, vous pouvez faire même le binôme classique, hein, Bébard en premier, Pelage en second. Ça déchire, ça marche bien, bien stuffé, avec encore une fois un bon équipement. Vous l'avez vu sur des vidéos de combat T4 contre T5. Ça fait le job tout à fait.
On passe à Martel sur de l'infanterie. Bien évidemment, l'infanterie Martel classiquement, encore une fois, là, c'est les binômes du début du jeu. Martel avec Richard. Là, ça marche, il n'y a pas de souci. On est bien sur du field battle. Vous pouvez le mettre sur du combat en open field. Vous pouvez aussi le mettre. Hein, ben moi, je vous le mettrai en garnison. C'est ce qu'il précise. J'avais pas vu la pastille bleue. Vous pouvez le mettre en garnison. Il n'y a pas de souci. Rokavk en arc, c'est sûr. On le mettra pas en garnison là-dessus en défense de bâtiment. En revanche, avec Constantin, là, on peut faire de la défense de garnison et de la défense en arc. Donc, garnison de bâtiment d'arc ou de garnison Rokavk. Bien évidemment, sachant que si moi, je pense qu'il est plus performant, bien évidemment, en arc d'avoir cette défense. Avec Yinseong aussi, pareil qu'avec Constantin, même si là, c'est surtout si vous faites soir, parce que si vous avez qu'un seul rallye, vous n'aurez pas l'avantage de la zone de Yinseong. Malheureusement, cette zone-là sera limitée en plus à 5 troupes. Pareil, Sunzi en open field avec Martel, ça fonctionne, c'est pas le binôme du siècle. Hein. Moi, je vous le conseille pas. Et pareil avec Alexandre, c'est des binômes qu'on voit, mais c'est pas des binômes de dingue non plus. Martel avec Alex, vaut mieux le mettre avec d'autres personnes en second. Après, si vous n'avez pas mieux que Sunzi, évidemment, en second, ça fait aussi le job, surtout avec sa zone. Vous pouvez même le mettre en défense de garnison pour ce qu'il va arroser si vous faites swarmer, mais c'est pas le binôme de ouf. Avec Richard, cette fois, on retrouve pratiquement les mêmes binômes qu'avec Martel. Richard, bien évidemment, avec Constantin, vous pouvez le mettre en open field ou en défense d'arc. Pourquoi on ne va pas le mettre en garnison de KVK? Ben, pour la principale raison que vous allez prendre beaucoup, beaucoup de morts, puisque Richard va soigner à mort avec Constantin, donc ça va vous coûter cher. Vous pouvez le mettre avec Sunzi, ça fonctionne bien, c'est bien en open field bien évidemment et pas en défense de garnison tant en arc que en KVK ou en attaque de rallye. Vous pouvez le mettre avec Martel, le même binôme qu'au-dessus. Vous pouvez le même mettre avec Alex, bon, c'est pas non plus le binôme du siècle. Et avec Leonidas aussi, c'est pas non plus des binômes de dingue en open field. Ça fait le taf, mais c'est pas des binômes qu'on voit beaucoup ou du moins qui sont très performants. Le Cid classiquement avec Yinseong et avec YSG, on le retrouve en attaque de rallye effectivement, ça fonctionnait. Maintenant c'est beaucoup plus rare de le voir, pareil avec Artemis, on voit plutôt Artemis premier, pas Artemis, Ramsès, on voit plutôt Ramsès en premier avec le Cid derrière ou Yinseong, moins dans cette configuration là, surtout en open field. Pareil avec Frédéric premier, le Cid Frédéric premier, on le voit quand même assez peu. Et pour finir avec Herman, pareil, c'est des binômes que moi je vois rarement. Le Cid, il est très peu joué, principalement en second, très rarement en commandant premier. YSG, on le voit surtout encore une fois en commandant en second, mais on peut le mettre en premier avec Alexandre. Bon, c'est des binômes qu'on voit peu, hein, même que ce soit en rallye ou en open field. Pareil avec le Cid, on l'a vu au-dessus, avec Ramsès, pareil, c'est très rare. Hein. Et pour finir avec Kusunogi. YSG, c'est surtout un second commandant. On le voit très rarement en premier commandant, sauf si vous n'avez pas le choix. Genghis Khan, là, voilà, si vous avez un commandant cavalerie et que vous êtes au début et que vous n'avez pas encore eu, quand j'entends au début, que vous n'avez pas encore eu Attila Takeda, qui reste le boss en cavalerie, je vous conseille Genghis, Saladin. Saladin, il est en dernier. En rallye attaque, ça fait vraiment mal. Mais même en open field, là, il n'est pas mis en open field. Mais si vous mettez Genghis, Saladin en open field, ça marche. Saladin est plutôt tanky. Genghis, il va faire bien des dommages. Vous pouvez l'associer avec Takeda aussi, le mettre avec Takeda ou avec KO en open field. Moi, ce n'est pas des binômes que je vous conseille là, vraiment. Sur l'open field, l'attaque de rallye, je vous conseille sur les deux, Genghis, Saladin. Saladin, c'est vraiment le plus tanky des cavaliers. Donc Saladin, enfin, ils vont peut-être nous en sortir d'autres, mais pour le moment, c'est lui. Saladin, KO, bon, Saladin, KO, c'est pas le binôme que je vous conseille, même si on le voit là en open field. Pareil, Genghis, Saladin, Genghis, moi, je vous conseille l'inverse, hein, mais ça fonctionne aussi bien. L'inverse pour une question d'arbre, bien évidemment, au niveau du skill. Ça sera pareil avec Yinseong. Bon, j'ai jamais vu Saladin, Yinseong, Saladin, Takeda ou Saladin, Etelfleda. Certains doivent l'utiliser, alors on le voit avec Yinseong, hein, soit en field battle ou en rallye attaque, ou avec Takeda en garnison, KVK ou arc, ou avec Etelfleda en field battle pour mettre du debuff. Bon, j'ai jamais vu ce genre de binôme, mais certains doivent l'utiliser si c'est là, puisque Abuse Panda n'est pas du genre à sortir des binômes à la légère.
Alexandre, je l'ai beaucoup joué. Alors avec Martel, ça fonctionne, ça marche pas mal. Alexandre en premier, Martel en second. Avec Sonzi, si vous n'avez pas d'autres commandants légendaires aussi, ça fonctionne bien. Toujours en open field hein, pour les deux. Avec YSG, ça marche aussi. Hein, plus avec le bouclier d'Alexandre, ça fait bien le job. Surtout en open field, moins en rallye attaque, même s'il est conseillé en attaque de rallye. Avec notre ami Léonidas. Je ne l'ai jamais vu jouer avec Léonidas, hein, je ne sais pas vraiment là vous dire si ça marche en open field. C'est rare comme binôme, à mon avis, ça ne doit pas casser des briques. Et avec Richard derrière, là c'est un bon binôme, il fonctionne, hein, Alexandre, Richard, ça marche bien en open field, ça fait le job. Même si dans l'autre sens, après c'est juste une question d'art, dans l'autre sens aussi, ça fonctionne également plutôt pas mal. Mais si vous voulez faire du dommage, c'est avec Alexandre en premier. On passe sur la deuxième partie du tableau avec Edouard maintenant. Edouard, je l'ai expertisé, j'ai galéré pour l'avoir. Edouard, évidemment, vous pouvez le mettre en open field et en attaque de rallye avec YSG ou Tomiris. Si vous devez en choisir qu'un, moi je vous conseille vraiment avec Tomiris parce que ça fait vraiment, vraiment le job. Edouard Tomiris, ça fait beaucoup de dommages, ça fait vraiment mal. Donc c'est très propre. Avec Ramsès ou Artemis, c'est encore une fois, je trouve ça dommage de mettre Ramsès en second, même en open field avec Edouard et avec Artemis. J'ai aussi Artemis, bien évidemment, en open field. Ça fonctionne, mais c'est moins performant qu'avec Tomiris. De mon point de vue, avec Tomiris, ça fait vraiment beaucoup plus de dommages. Mais avec Artemis, ça va faire de la zone. Wuzetan, je ne l'ai pas. Il faut avoir gagné KvK saison 2 que j'ai perdu pour le coup. Donc Wuzetan, évidemment, en défense avec Constantin, Dark ou KvK, ça fait le job. Hein, ça défend bien. Avec Richard aussi, ça défend bien. Même si c'est beaucoup moins performant pour le coup qu'avec Constantin. YSG toujours en défense d'Arc ou de KvK. Bon, c'est déjà plus rare, mais ça fonctionne. Pareil avec Martel. Pareil avec Artemis. On retrouve des profils soit de la zone, si vous voulez éviter de vous faire swarmer, soit avec un gros binôme qui va vraiment l'aider en défense, comme Richard ou Martel ou Constantin. Donc évidemment, là, le plus performant en défense sera Wuzetan, Constantin. Attila, vous le voyez comme d'habitude. Attila, il est tout seul avec Takeda. Là, en open field ou en attaque de rallye, ça fait bien mal, il n'y a pas de mystère. Notre ami Guan. Alors Guan en ce moment, il est très joué, surtout avec le buff qu'ils viennent de lui rajouter suite au patch qu'on va avoir en 1.039 où ça va améliorer sa puissance. Normalement, alors Guan avec Alexandre, c'est le binôme du moment. Hein. Tout le monde l'utilise, il est énorme si vous pouvez l'avoir et le stuffer avec des bons équipements de haut niveau. Vous allez voir, ça fait bien le job. Léonidas, le binôme naturel. Bien évidemment de Guan, ça fonctionne aussi. Et avec Richard, bon, avec Richard, ça fonctionne moins. Ça fait moins de DPS. Et quand même, le but de Guan est de faire de la zone et du DPS. Donc ça fait le job si vous n'avez rien d'autre. Mais ce n'est pas non plus le binôme que je vous conseillerais. Léonidas, alors Léonidas, il manque juste un champ. Ils auraient dû rajouter ceux qui sont faits pour faire pas les tombeaux, mais le mince, les canyons, voilà. Les canyons, c'était le mot que je cherchais. Donc il nous manque quand même le petit onglet canyon, parce que Leonidas, c'est un mec de canyon. Hein. Pour moi, c'est surtout là qu'il faut l'utiliser, si vous le mettez en premier. Donc Leonidas avec notre ami Alexandre, donc ça fonctionne, surtout en canyon. Sunzi, pareil. Inseong, pareil. Et avec Richard, bon là on le voit moins avec Richard dans cet ordre-là, mais s'il est là, c'est que ça doit marcher tous en open field. C'est pas encore une fois ce que je vous conseillerais, moi Léonidas, à part en canyon ou en second, si vous n'avez pas le choix. Sinon, c'est pas pour moi le commandant du siècle en premier. En revanche, Ramsès, lui, c'est du lourd en open field et en attaque de rallye. Ramsès, bien évidemment, avec Artemis, ça fait le job. Avec Inseong aussi, Tomiris aussi. Avec le Cid, je le vois moins. Et vous le voyez, avec Artemis, ils ne le mettent pas en attaque de rallye. Moi, je le mettrais en attaque de rallye aussi. Ramsès, il est vraiment très puissant pour moi. C'est le meilleur des archers. Artemis en première, on la voit beaucoup, beaucoup moins. Avec d'ailleurs Inseong en attaque de garnison ou en field battle. Bon, c'est que pour la zone là. Avec Tomiris, ils le mettent aussi en défense de garnison en arc. Moi, je n'utiliserai pas Artemis en première, ni avec aucun des quatre commandants, Wuzetan ou même avec Ramsès premier. C'est un bon commandant second pour moi, pas un commandant premier. Mais si je devais l'utiliser avec un seul, je maximiserais le fait de zone et je la mettrais bien évidemment avec Yin Se-Hong. Pour finir avec Constantin avec Martel, évidemment, ça fonctionne de ouf.
en garnison de KvK, mais même en arc, hein, il n'y a pas de souci. Et en feed battle, là, ça va vraiment être une troupe très tanky qui va bien handicaper les adversaires. Avec Jeanne qui va le buffer et l'accompagner, ça marche aussi. D'ailleurs, Richard, elle n'est pas avec Jeanne, mais Richard aussi, ça fonctionne bien avec Jeanne. Richard, il est là en troisième, en garnison d'arc. Ça fait le job, ça marche bien. Et avec Ouzetan aussi en défense, ça fonctionne. Il manque bien évidemment les derniers commandants, hein, Chandra et Guillaume, mais ils seront rajoutés par la suite. Et quand il y aura des mises à jour, je vous en ferai part comme d'habitude, les amis. Passons à présent au KvK de choc des youtubeurs avec le KvK numéro 35. Vous allez voir, on se retrouve à un choc entre deux très gros youtubeurs. Hop, on y va. Alors, le KvK35, les Terres du Roi, c'est un Light and Darkness saison 2. Les Terres du Roi ont ouvert hier. On se retrouve sur le 12-75-87 et le 13-07-14-15-82-90 et le 1401. Donc, des très gros serveurs. Les portes ont ouvert hier en fin de journée, les Terres du Roi, et on se retrouve avec Dracocien, bien évidemment, d'un côté qui est dans la team bleue, les AVG. Et de l'autre côté, on a Chinji qui est chez les Slaps, si je dis pas de bêtises, hein, Chinji, j'en suis moins sûr. On a Draco qui est chez les AVG. Et Chinji, il est quelque part par là, si je dis pas de bêtises. Si il n'a pas bougé, est-ce qu'ils l'ont remis, est-ce qu'il est en R4? Non. Il est quelque part par là, notre ami Chinji. Est-ce qu'on va le trouver dans la liste? Dans la liste, où es-tu, Chinji? Où es-tu, petit Chinji? Oh, il est là, de toute façon, je l'ai vu hier. Donc, il a peut-être bougé, mais en tout cas, il est chez les Sians. Donc, le choc, les Bleus contre les Sians, on le voit, c'est sans appel après moins de 24 heures. Il s'était bien positionné, hein, pourtant, hein, les teams, les Slaps, les Sians, ils s'étaient bien positionnés, ils étaient sortis au début, mais très rapidement, ils se sont fait bâcher par la violence des bleus, les bleus qui sont allés sur plus de un quart de la carte, hein, on le voit, ils sont bien descendus, mais à aucun moment le vert a réussi à percer un tout petit peu, mais il s'est fait très vite reprendre dans cette bagarre. Donc pour le moment, avantage à Draco, hein, Draco lui en revanche, il n'y a pas de mystère, il est bien chez les 1 AVG, on le voit, il est où Draco? Allez, s'ils ont tous décidé de quitter leur alliance pour au moment de ma vidéo, Draco il est là, il n'y a pas de souci. On va pas le trouver non plus, mais il est là, il n'y a pas de surprise ici. Donc vraiment avantage à Draco, ils ont fait évidemment des gros lavières. Est-ce que ça va tenir? Alors, il faut savoir que quand on a cette disposition-là, normalement l'alliance, ou du moins le royaume le plus puissant, est censé être sur ce côté-là, à gauche. Donc normalement c'est censé être le orange. Ou le Sion, normalement c'est le orange, le serveur le plus puissant, et le second plus puissant est censé être le bleu chez Draco, le troisième le Sion, et le dernier le jaune. Là, même s'ils ont des gros alliés, on voit les Leaks par exemple, même avec des gros alliés, on le voit, ceux qui ont réussi à sortir, à dominer la zone, restent ceux qui sur le papier en matchmaking étaient moins puissants. Alors, est-ce que ça va tenir? On sait que le serveur de Shinji va pas lâcher l'affaire. C'est des joueurs puissants et motivés. Mais de l'autre côté, les 1 AVG, c'est la même. Mais il y a quand même une grosse différence. C'est que les 1 AVG jouent quand même une grosse place pour gagner Osiris, pour aller au moins dans le carré final d'Osiris. C'est vraiment un challenger et une alliance qui est motivée cette saison à faire un très gros score, comme ils l'ont fait dans les saisons précédentes, sans atteindre malheureusement pour eux le carré final. Donc on va le voir si le fait de vouloir faire une bonne position en tombeau ne va pas en tombeau, en Ligue Osiris plutôt, ne va pas les pénaliser pour ce KvK, car il suffirait que même si certains jouent aussi la Ligue dans les alliances adverses. Mais est-ce qu'ils ne vont pas privilégier et gagner le KvK, par exemple l'alliance de Chinji, plutôt qu'avancer en ligue? On va le voir, mais ça va être en tout cas une bonne stratégie d'attaquer, par exemple, pendant qu'ils sont en match, tout simplement. Attaquer pendant que les AVG sont en match et percer et repousser leur flag. Vous avez une fenêtre d'une heure où vous pouvez leur faire très mal, et même avant, parce qu'ils ne voudront pas prendre des blessés, ils ne pourront pas rentrer dans leur match s'ils si ont masse blessée. Donc là, il y a une grosse carte à jouer ce week-end pour l'alliance de Chinji, pour toute sa team et tous les royaumes qui sont avec lui. Donc il va falloir suivre ça de très très près, ce gros choc de baleine de YouTubeurs.
Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, 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 les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.